Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le bordel, d'accord. Mais c'était pour vous faire un petit compte-rendu, non, mais pour vous montrer un peu où j'en étais par rapport aux deux toiles que j'avais eues en partenariat avec Paint by Number Day. Donc on avait le petit couple de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on avait aussi une petite toile, tu sais, comme ça, là. Alors, c'est flou, hein, mais c'est la citronnade avec une gaufre et du citron, des trucs comme ça. Voilà, donc c'était pour te montrer et puis pour continuer un petit peu à broder sur ces deux toiles. Je sais pas laquelle je vais faire, là, avec toi, mais regarde. Donc ça, c'est la petite, donc voilà mon avancée. Alors, mon impression, ben, je sais pas trop parce que je trouve que c'est flou, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est aussi flou que sur la sur l'image. Alors, j'essaie de te la remontrer là, l'image, mais c'est flou. Voilà, donc j'ai pas mal carburé, hein. Regarde tout ce que j'ai fait, ça c'est le dos. J'ai pas mal travaillé dessus, hein. J'ai commencé, donc c'était quand le partenariat? J'ai pas marqué la date, évidemment, mais c'était là, mois de décembre. Décembre ou octobre? Décembre ou novembre? Non, novembre. Je crois que c'était en mois de novembre, 26 novembre, un truc comme ça. Donc on va dire en un mois, j'ai fait tout ça. Et bon, tu sais que j'ai pas que ça comme toile. Donc je trouve que j'ai pas mal avancé, mais je me dis, il me reste plus beaucoup à faire parce que je fais pas le fond, hein. Mais je me dis que même en faisant le fond, enfin même en faisant les points qui restent là, bon, il me reste tout ça là, les points rouges là, ça il faut que je le fasse, les points noirs il faut que je le fasse, et ensuite t'as tout le contour ici. Mais je me dis, j'espère que la définition va être mieux que ça, parce qu'il faut vraiment regarder de loin celui-ci pour le coup. Donc ça, c'est pour celui-ci. Et sinon, donc l'étrange Noël, eh bien, j'ai avancé, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup cette petite toile. Il y a du confetti, hein, il y a du confetti, mais ça va. Donc tu vois la tête de la fiancée de Monsieur Jack qui commence légèrement à se dessiner, mais par contre je la trouve assez sombre, cette petite toile. Donc le dos c'est ça, donc comme il y a pas mal de confettis, bah il y a quand même du voilà, des points tirés, quoi, mais bon. Donc voilà, voilou. Donc laquelle qu'on fait un petit peu là ensemble, attends, laquelle qu'on fait, celle-là elle me prend la tête, je te jure qu'elle me prend la tête, parce que il y a beaucoup de confettis, c'est tout le temps, tu vois, par exemple là, tu as un point là, là c'est pas le même point que les rouges, tu vois, par exemple ici, là il y a un point là, après il y a un autre point là, laisse tomber, ah, regarde, un point ici, deux points différents ici, encore un autre couleur. Là, il y a trois couleurs, là. Quatre couleurs. Tu vois? Donc, elle est très longue à faire. Enfin, elle est longue. Un point ici, un point là. Un point rose ici que j'ai pas fait. Mais sinon, je sais pas. Va falloir voir le rendu à la fin, quoi. Voilà, voilà. Donc, c'était mon petit suivi de Paint by Number Day. Donc, on va continuer. On va essayer de continuer. Je pense que je vais faire avec toi un petit peu de celle-là. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je te dise? J'espère que tu vas bien. Je te souhaite encore une fois une très, très bonne année si je te l'ai pas dit. où est-ce qu'ils sont, mes ciseaux? Oh, bah, évidemment. Où ce qui sont mes ciseaux? Voilà. Moi, j'ai des ciseaux comme ça. J'adore.
Bon, je te cache pas que je les ai payés un petit peu cher à l'époque quand j'ai commencé, quoi. Enfin, à l'époque, j'ai commencé au mois d'octobre en fait à faire de la broderie. Je t'explique. Mais ouais, donc 8 euros quand même, j'ai payé ça, ce petit truc-là. Mais j'utilise que ça en fait. Donc on va faire le rond vert. Le rond vert, c'est le 11. Et je vais te faire un gros plan. Alors, je t'ai agrandi, donc tu as mes mains en gros plan, hein, désolé. Alors, le rond vert, c'est du blanc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai tardé à le faire. C'est parce que c'est parce que c'est du blanc. Donc, je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Hop. Disons que là, peut-être que ça va changer quelque chose parce que le fond est jaune. Mais quand je vais la laver, bah, le fond va être blanc. Donc, bon, bref. T'as compris, t'as compris. Donc, je sépare mes fils. Oh là là. Tchun, 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 tchun. Alors, c'est pas une toile que je fais avec quelqu'un ou quoi. Je suis toute seule comme une grande. Mais par contre, c'était une toile que j'avais eue grâce à la société Paint by Number Day. Alors. Hop. Alors, où est-ce que je commence? Je vais faire celui-là. Alors, tac. Donc là, tu vois, comme il est isolé, hein, je suis obligée de retourner ma toile et de faire fermer mon point. C'est ça qui est galère en fait avec cette toile, c'est que tu es tout le temps en train de couper ton fil. Donc au final, c'est assez long. Assez long à faire. Donc sinon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah moi, qu'est-ce que je raconte? Bah rien. Je raconte. Ah, il y a les éboueurs. Les poubellemans qui passent. Ouais. Putain, il est tard, non? Je sais pas. Ouais. Non, bah je raconte rien. J'ai pas une vie trépidante. Guillemets, quoi. C'est-à-dire que je peux pas trop te raconter ma vie non plus, quoi. Parce que sinon, je pourrais t'en raconter des trucs, mais c'est ma vie privée. Donc, c'est un peu chiant aussi, ça. Enfin, pas le fait que j'ai une vie privée, hein, attention. Mais le fait que. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. Et oui. Tac, donc là je suis encore obligée de me recouper. Ah oui, alors dites-moi si vous avez eu des. Si vous êtes parti en vacances pour Noël. Il y en a qui ont été au ski, j'ai vu. Il y en a qui vont au ski, il y en a qui font des trucs comme ça de ouf. Moi, je suis jamais allée au ski de ma vie. Non. Ça me manque pas, hein.
La plupart des gens qui vont au ski, ils se pètent une jambe, alors... Ça me manque pas du tout, puis j'aime pas les sports de glisse. Enfin, j'ai fait de la patinoire quand j'étais jeune, hein, comme tout le monde. Je crois qu'un peu à l'école, ils nous font faire du patin, quoi. Mais... ouais. Sans vraiment... ouais, j'aimais bien, mais sans plus, quoi. Mais il y a quand même des gens qui ont été au ski, j'ai vu ça. J'étais étonnée. J'avais oublié que les gens pouvaient aller au ski à Noël. Noël, Nouvel An, quoi. Il y a du vent, laisse tomber. Tout qui s'envole. Ah oui, sur ma chaîne principale, il y a un abruti aussi qui est venu me dire que c'était... comment il m'a dit ça? Enfin, je sais plus. Qui m'a dit, ouais, quand j'ai fait ma vidéo pour vous souhaiter la bonne année, mais bon, c'était pas vraiment ça, puisque moi, je m'en fous de la bonne année. Vu comment que ça se passe, si tu veux, bon, tu veux dire quoi aux gens? Oh là là, bonne année! Comme si de rien n'était, alors que bon. Ça fait 3-4 ans qu'on nous fait la misère. Bon, bonne année de quoi en fait? Mais. Bon, j'ai fait quand même une petite vidéo pour vous dire. Passez une bonne soirée, tout ça. Et donc, ce gars-là. Parce que. Il me dit. Je sais pas si c'est une femme, parce qu'on sait jamais avec vous en fait, parce que. Vous pouvez mettre un nom de fille et puis c'est un mec. Enfin bon, bref. Et donc la personne me dit ouais, c'est honteux. Vous n'avez pas honte de faire une telle vidéo. Comment dire? On voit que vous en avez rien à foutre de vos abonnés parce que vous racontez que de la merde. Enfin, vous racontez n'importe quoi. On voit que vous avez pas envie d'être là. Donc, comment dire, vous avez pas de respect pour vos abonnés. Bah si, justement. C'est-à-dire que toi, ça te fait rien de souhaiter le... Comment dire, toi, ça te fait rien de fêter Nouvel An. Moi, ça me fait rien, voilà. Mais bon, je voulais quand même faire un petit coucou à mes abonnés, quoi, c'est tout. Et donc, le gars... Il vient me dire, ouais, la honte, vous me décevez beaucoup, pourtant, genre, ça fait très longtemps que je vous suis, mais là, je suis dégoûtée, comme quoi je respecte pas mes abonnés et tout ça. Mais déjà, je te dois rien, déjà. Déjà, je dois rien à personne. Ceux qui me suivent, bah, c'est parce qu'ils aiment bien mon contenu, mais après, si demain je disparais, bah voilà, je disparais. Ça fera rien à personne, quoi. Enfin, c'est pas dans le sens que vous aurez pas de peine, c'est pas ça, mais... Je veux dire, la vie continue, quoi. Je sais pas comment expliquer. Enfin, il m'a scotché, quoi. Je sais pas comment dire. Je dois faire quoi, en fait? En fait, ces personnes-là, elles veulent quoi? Elles veulent que je le paye, en plus, pour qu'il visionne mes vidéos. Tu vois, il veut de l'argent. Il veut quoi, en fait? Qu'est-ce que... Enfin, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, comme je n'ai pas compris... Bah, je lui dis, bah écoutez, j'ai été choquée en fait, les gens, je vous cache pas. Et je lui dis, ouais, bah c'est sûr qu'à vous,
Ouais, parce qu'il me dit, ouais, vous avez pas envie de souhaiter la bonne année, donc je vois pas pourquoi vous vous cassez le cul, puisque on voit bien que ça vous gonfle d'être là. Bah, déjà, ça me gonflait pas d'être là, puisque vous avez bien vu que je vous ai mis des petites étoiles, j'ai fait un petit fond d'écran, j'ai fait. J'ai essayé de faire des blagues et tout, donc n'importe quoi. Et oui, et donc je lui dis, écoutez, c'est sûr que des personnes comme vous, j'ai vraiment pas envie de souhaiter la bonne année. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Surtout que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc parce qu'il me dit ouais, je suis abonné, non, t'es pas abonné à ma chaîne. Et voilà quoi. Et même si t'avais été abonné à ma chaîne, je m'en fous en fait. À partir du moment où tu me parles comme ça en fait. Mais il y en a en fait, ils se prennent pour. Ils se prennent pour ton père, ils se prennent pour ta mère, je ne sais pas. Il y a un truc qui se passe dans leur cerveau. Donc je vous cache pas que bon, j'étais déjà fatiguée. J'étais fatiguée de ma soirée, j'étais un peu, voilà. Mais je lis ça juste avant de me coucher, j'ai fait... ah ouais, d'accord. Donc après, ben j'ai pleuré, voilà. J'ai pleuré dans mon lit, j'ai dit, bah putain... Je suis conne en fait, c'est vrai. Je sais pas comment ça va se poursuivre toute cette histoire de YouTube. Mais c'est vrai que j'arrive plus à. Je sais pas. Ça me. Enfin bref, je suis sans voix quoi, donc. J'ai plus de mots pour ce type de personne et en fait. J'ai plus la tchatch quoi, j'ai plus le. Je sais pas comment dire. J'ai plus envie de me casser le cul quoi, tu vois. Alors. Voilà, j'ai quand même. Beaucoup d'abonnés qui sont mignons et qui sont gentils. Mais c'est vrai que... Waouh. Toute cette année 2023 et avec ça, là, la fin en apothéose, là, waouh. Je dis, putain. On croirait pas comme ça, mais... C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est rien, c'est... C'est que du virtuel et tout. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est que du virtuel, quoi. Mais bon. Vous savez, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est pas qu'une vue de l'esprit, quoi. Alors là, effectivement, c'est pas toujours les mêmes personnes qui m'attaquent. Mais ça en finit par être du cyberharcèlement. Donc bon, le problème c'est que tu peux porter plainte, mais porter plainte contre un pseudo, alors je sais pas, peut-être qu'ils peuvent remonter jusqu'à l'adresse IP, mais bon, la personne elle peut avoir un VPN, j'en sais rien. Mais vous avez de la chance, hein, tous ces gens-là, vous avez de la chance que la plupart du temps on n'a pas envie de se prendre la tête et puis on a autre chose à foutre, quoi. On a quand même une vie, mais... Putain, vous mériteriez quoi, des plaintes quoi, des plaintes, parce que c'est du harcèlement, pour moi c'est du harcèlement. Tu dois pouvoir laisser les gens faire ce qu'ils veulent sur leur chaîne, à partir du moment où tu manques de respect à personne, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est considéré... Ça en devient, pour moi, ça en devient comme du harcèlement. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui balance des... Mais je sais que je suis pas la seule, hein. J'ai vu plusieurs personnes. Je vois régulièrement sur YouTube, hein, mais je sais pas si c'est propre à YouTube. Mais il y a quelque chose qui va pas dans notre société, quoi.
Je ne sais pas si c'est des gens qui sont payés exprès pour faire ça, pour faire de la peine aux gens, ou si c'est... comment je pourrais te dire ou si c'est des gens, des vraies personnes, quoi, qui sont complètement... tu sais, avec toute cette histoire de picouze et tout, qui ont le cerveau complètement ramolli, quoi. C'est des... Je sais pas comment on dit ça. Ils sont... J'ai même pas de qualificatif, c'est vraiment... Ils sont en perdition, quoi, ces gens-là, pour être aussi mauvais. Je sais pas, hein. Donc, ouais. Ces gens-là ne s'imaginent pas que les personnes qui font des vidéos, bah, ils ont des sentiments. Tu sais, on n'est pas des robots, quoi. Alors, ouais, je lis de moins en moins les commentaires, déjà parce que j'ai pas trop le temps et parce qu'il faut faire les vidéos, il faut les monter, il faut les télécharger, il faut faire la miniature, il faut les partager, il faut les mettre en avant. Enfin, essayer, quoi, faire le générique, faire... Il y a plein de choses à faire sur une chaîne YouTube, faut pas croire. Et ensuite, on a notre vie et on doit dormir aussi. Voilà, on doit manger, on doit se nourrir, on doit dormir, on doit s'occuper de notre famille ou de nos animaux, tout ça. Donc on peut pas être tout le temps à surveiller les commentaires et machin. Donc oui, bon, après il y a des modérateurs, mais les modérateurs, ça joue beaucoup sur les lives, par exemple. Sur les lives, les modérateurs, c'est utile. Mais sur les commentaires, basiques, tu vois, à la fin de la vidéo, ça marche pas, en fait. Les modérateurs, ça fonctionne pas sur les commentaires. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment ça marche. Donc, après, j'ai une ou deux personnes qui s'occupent un petit peu de mes commentaires, même. Mais voilà, quoi, ils sont pas tout le temps à regarder ça. Et puis, mais bon, Et comme je t'expliquais, si je retire les commentaires, ma vidéo, elle est moins visible, elle est moins mise en avant. Donc je les laisse. Par contre, il y a déjà un filtre, mais bon. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Ah, voilà, quoi. Beaucoup de gens méchants. Alors déjà que t'as ta galère au quotidien. Tout le monde a son petit sac à dos à porter, hein, tous les jours. Mais alors en plus t'as ça, enfin bon, bref, quoi. Donc des fois, bon. Alors tu vas me dire, ouais, la chouineuse. Oh, je suis pas une chouineuse, c'est juste que. Bon là, je t'en parle. Je vais pas te parler de ma vie privée, quoi. Il y en a, elles font ça, elles parlent de leurs enfants, elles parlent de... Non, moi, là, on est hors de question. J'aime pas ça, moi, quand on me pose des questions sur ma vie, sur... Ah, mais tu t'appelles comment? Ah, mais tu habites où? Ah, mais tu fais quoi? Et puis tes enfants, et puis tes... Et puis celle-là. J'aime pas ça, moi. Moi, quand je regarde des vidéos YouTube, je vais pas demander comment s'appelle la personne, où est-ce qu'elle vit... Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que... C'est sa vie. C'est sa vie privée. Les gens ont du mal, en fait, à faire la part des choses entre le fait de visionner un contenu plaisant, voilà, qui te plaît, et la barrière avec l'intimité et la vie personnelle, quoi. C'est bon, quoi. Il y en a, ils ont du mal aussi avec ça. Ça va, c'est pas une majorité, mais bon. Un peu chiant. Puis alors, il y en a qui t'inventent des vies aussi. Il y en a qui t'inventent des trucs. Ils t'ont vu à tel endroit, ou ils sont persuadés que tu fais ça, ou machin. Enfin, voilà, quoi. Bon,
Ouais, donc tu vois, cette petite toile, elle est peut-être bien mignonne, mais elle est super chiante à faire. Parce que c'est un point à droite, un point à gauche. C'est pour ça que la broderie aussi, ça me fait du bien. Un petit peu pour essayer de moins m'investir. Enfin, de couper, on va dire. Ça fait du bien là de faire ça un peu. Je vous ai mis des. Là, je vous ai mis. Non, pas encore, je crois pas. Je sais pas si vous l'aurez la vidéo avant. Je vous ai mis une vidéo. Où je vais vous mettre, ou je vous ai mis, je sais pas. Une vidéo sur une petite construction là que j'essaye de faire, mais alors c'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. C'est un truc. Que j'ai jamais fait encore sur la chaîne, donc vous irez voir, ou vous la verrez avant celle-là, je sais pas. Ah oui, du coup, c'est mon deuxième fil là que j'entame avec vous. Bah ouais. Ah bah ouais. Alors je sais pas. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de définition sur le dessin. Mais bon, on verra vraiment à la fin. Mais bon. Je trouve que c'est pas top au niveau de la définition du dessin. Tu vois, là, il y a encore un point isolé, là. Parce que c'est chiant à faire, ça, putain. Mais je pensais pas. En plus, j'ai été dégoûtée parce que... quand je l'ai pris, celle-là... Ben, quelques temps plus tard... J'ai vu que Joyce and Day l'avait sorti en... L'avait aussi fait, quoi. Parce que là, c'est une sous... Enfin, c'est une... C'est la société, je sais pas quoi, là, son nom, là. Ils savent faire que du confetti. C'est chiant. Que Joyce Sunday, non, n'a pas de confetti. Donc, ça me. Je suis dégoûtée. Et, voilà. Quelques jours après, quoi. Ben, j'aurais su, j'aurais pris par le. Toujours sur Paint by Number Day. Mais j'aurais été regarder chez Joyce Sunday. J'ai pas fait attention. Toutes ces toiles, là où il y a énormément de confetti comme ça, j'essaye de plus en prendre, quoi, parce que. Non seulement c'est long à faire, mais à la fin t'es blasé, quoi. Donc c'est pas intéressant. T'es censé pouvoir t'amuser en faisant ça, hein, pas galérer, quoi. Pas vraiment. Ça doit pas te donner des mal de tête, tu vois. Et en plus c'est du 11 CT, quoi. Donc imagine ça, si ça avait été du 14. Oh là là, laisse tomber. Le 11, bon, les trous sont un peu plus gros. Donc ça va. Mais en 14. Et puis, heureusement, le dessin est pas grand aussi. Donc si cette petite toile vous paraît jolie, essayez de la trouver. Vous allez sur le site Paint by Number Day et vous tapez... Joyce and Day. Ce Joyce and Day, en fait, c'est l'imprimeur, c'est l'usine. Enfin, c'est le voilà la marque. Donc, vous pourrez la trouver sur ce site-là. Mais le fabricant, on va dire, c'est Joyce and Day. Puis, je sais pas si je la referai en Joyce and Day, quoi. Je sais pas. Si je la trouve, peut-être je la prendrai. Si elle m'a pas trop dégoûté, celle-là. Maintenant, j'essaye de prendre du... Bon, Joyce and Day, c'est sûr. Spring. Voilà. Parce que... toutes les autres, c'est des...
Voilà, c'est la définition, la conversion, pour moi, en tous les cas, elle est trop confetti, quoi. Bien souvent, t'es déçu, quoi, et puis tu galères un peu à la faire, quoi, donc c'est pas la peine. Ouais. Voilà, les gens, bon ben... C'est du blanc, alors oui, là, on va dire que ça ressort un petit peu sur le dessin, mais encore, pff. Tu vois, t'as l'impression, tu brodes, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien qui ressort, voilà, je sais pas, moi, ça me fait pas un truc, bon, peut-être c'est moi qui est trop exigeante, j'en sais rien. Tu vois, autant l'autre petite toile là de l'étrange Noël là, de Monsieur Jack, autant celle-là, bon, on voit quand même de la définition, du, on voit la main de la jeune fille, on voit la tête, voilà. Que là, bon, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Ouais, j'ai l'impression que... Tu vois, on voit un peu, mais puis alors la gaufre, excuse-moi bien, mais sur le dessin, elle est pas rouge la gaufre, elle est brun quoi, marron. Pourquoi ils ont été nous coller du rouge? Là, j'ai pratiquement fait tous les points, hein, il en reste deux. Tu vois bien qu'elle est rouge la gaufre, pourquoi elle est aussi rouge? Ouais. Il y a des trucs, je trouve que elle est vraiment pas bien ressortie. Enfin, je trouve. On verra, c'est la fille qui le dit à chaque fois. On verra une fois que je l'aurai lavé et tout, que j'aurai terminé, mais je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Je ne suis pas convaincue. Hein. Bon, voilà. Mais je vais vous laisser, parce que ça fait quand même 26 minutes. Donc, si ces petites toiles vous plaisent, je vous mets quand même les liens dans la description. Et puis, parce que celle-là, elle est bien, hein, la petite, celle-là, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. La petite, voilà. La petite étrange Noël de Monsieur Jack, tu vois, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux défini. Que là, j'ai l'impression que, t'as vu, c'est une photo en... Qu'elle est floue, la photo. Bon, on voit un petit peu le vert, remarque. Ouais, non, bon, faut que j'attende de la finir. Que là, je vois déjà. Tu vois, pourtant, il me reste encore beaucoup à faire. Mais je vois déjà, il y a quelque chose, c'est satisfaisant. Je vois que je ne travaille pas pour rien. Là, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule, tu vois. Enfin. Bon, je te fais des gros, gros bisous. Je te dis à plus tard. Prends bien soin de toi et de tes proches. Bye bye.